Bonjour à tous, bonjour les amis, je suis obligé, bonjour, bonjour les amis. Tu peux me le faire Jean-Pierre, est-ce que tu me le fais bien toi? Bonjour, bonjour les amis. Voilà. Je suis très heureux de recevoir quelqu'un de très intimidé ce matin, parce qu'il n'a pas l'habitude du micro. Jean-Pierre Germain, vous pouvez l'applaudir. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est intimidant d'être à cette place, à côté de toi. Hein, face à moi ou à côté ouais. À côté, que je connais quand même depuis déjà de nombreuses années. Et c'est vrai que je suis tout intimidé. En plus, il y a Dorian qui est en train de filmer. Il y a ma complice amie Sandra qui est en face. Je n'ai pas l'habitude d'être là, donc c'est un petit peu bizarre. Et tu sais que comme sur la télé, on est en fin de saison, hein, puisque la radio fonctionne comme la télé. Au mois de juin, c'est la fin de saison avant les programmes de rentrée. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer sur Radio Grand Lac 92.1 FM au programme de rentrée. Peut-être que Dorian sera à ma place. Ah, pourquoi pas? C'est une bonne idée, non? Ah, ça peut être une bonne idée. Ça plaira à Jean-Pierre, déjà, parce qu'il me chambre régulièrement. Hein? Il aime bien, châtie bien. Oui, c'est vrai, c'est ce que disait ma grand-mère. Alors, Jean-Pierre Germain, je suis ravi de t'avoir parce que tu es le directeur d'antenne de cette radio et en toute humilité, l'un et l'autre, Sandra Beau, qui est présidente de la... Non, faut pas que je le dise, c'est présidente de la radio. Bien sûr, bien sûr. Tu peux le dire, Jérôme, c'est tout à fait ça. Voilà, et qui sera aussi, qui passera aussi à la casserole, excuse-moi. Mais... C'est fait, c'est dit. Voilà. Elle me laisse essuyer les plâtres. Exactement. Voilà. Et... comment ça se passe, puis je verrai si je te dis oui, Jérôme. Voilà, et puis nous aurons, avant la fin de saison, un homme, je le dis, que je respecte beaucoup... que j'ai côtoyé, avec qui j'ai collaboré à la Foire de Savoie, André Payerne, past président, qui a une grosse entreprise, qui a eu, ou qui est une grosse entreprise industrielle de métallerie, juste en face de la Foire, et qui aujourd'hui a une action pour les enfants, raison de plus pour qu'on l'invite, c'est, je vais redonner le nom de l'association, tiens Sandra, tu le connais puisque je t'ai montré sa carte, il sera notre dernier invité de la saison, Ma Chance, Moi Aussi. Ma Chance, Moi Aussi. Pour tous les enfants. Mais l'homme du sujet aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Germain. Jean-Pierre, tu m'as envoyé un peu ta bio. Parce que tu me l'as demandé. Oui, bien sûr. Et tu m'as dit, il n'y a pas tout. Il se rappelait même plus de tout ce qu'il avait fait. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on se demandait avec Dodo, quel âge avait-il cet homme-là? On lui demandera tout à l'heure. Hein, parce qu'il n'est pas marqué par les rites. C'est le climat de Saint-Germain-la-Chambotte qui fait ça, Jean-Pierre? Peut-être, peut-être. C'est le climat, c'est le bonheur, c'est la joie de vivre. Voilà. C'est un trait de marque, c'est un trait de caractère qui te convient vraiment, la bonne humeur constante. Jean d'Ormesson disait la gaieté est une politesse. Donc voilà, je veux être poli, donc je veux être gai, je veux être joyeux, je veux sourire. Et puis je vis, donc c'est déjà bien, c'est pas donné à tout le monde. Oui, oui, et c'est quand on a un à-coup de santé qu'on se rend compte que la vie peut être très, très, très aléatoire et très vite. Donc, en effet, Jean-Pierre a cette devise. Et puis, comme tu as travaillé quand même auprès des hommes politiques, avec, on peut citer Claude Giroux, que j'embrasse, qui t'a appris aussi ce sens de la politesse, de la politique. Ça vient du même mot, peuple. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce sens de la politique et ce sens surtout du service aux autres. Voilà. Sens citoyen. Tout à fait. On est au service des autres, où qu'on soit. Où qu'on soit, quand même à Radio Grand Lac. Quand on est élu, on est au service des autres. Il y en a beaucoup maintenant qui ne se rappellent plus de ça. Quand on est fonctionnaire, on est au service des autres. Ça, c'est vrai. Quand on est ici à Radio Grand Lac et avec Sandra, ça, on le sait très bien. On est au service des autres, on est au service de notre territoire, de tous ces acteurs. Surtout une radio associative, j'allais dire. Tout à fait. Surtout. C'est pas une radio commerciale au-dedans. Partout, et ça pareil, c'est Claude Giroux qui me disait, quand on est seul, on n'est rien. Si on n'a pas une équipe, si on n'a pas des gens qui nous accompagnent, qui nous aident, qui nous apprennent, qui des fois se trompent, voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'on construit une vie. Un bon patron a des bons employés, des bons parents ont des bons enfants, enfin tout ça c'est une équipe. Et tu le dis bien, et Radio Grand Lac c'est pareil aussi. Donc avec le sens de l'humilité... et de l'amour, finalement. Oui, tout à fait, oui. Alors, Jean-Pierre Germain. Une vie, c'est fait pour aimer et pour aider, disait sœur Emmanuelle, et moi, ça c'est ma devise. Une vie, c'est fait pour aimer et pour aider. Bravo, Jean-Pierre. Alors, on va faire quand même un peu le parcours, hein, voilà. Ton préambule, et puis on va quand même poser quelques questions perso. Tu répondras à celles que tu veux, parce que je connais, moi, toutes, très peu ta vie personnelle. Moi, pareil.
Et dans l'émission Vue Autrement, c'est ce qui séduit d'ailleurs, c'est toucher l'âme des gens et la vérité, la véracité des gens, il n'y a que ça de vrai. Et puis, bien sûr, une chose qui t'anime depuis 37 années, la musique et l'accordéon. L'accordéon. L'accordéon, j'ai pris mon premier cours le 9 novembre 1985. T'avais quel âge ? J'avais 9 ans, à peine. 9 ans, donc voilà, c'est en fait, j'aimais la musique et puis j'avais un cousin qui entraînait la fanfare d'Albins. L'avenir d'Albins, voilà. Donc, et c'est lui qui t'a lancé ? Non, du tout, du tout. Et ma maman voulait que je rentre dans la fanfare d'Albins. Et bon, voilà, ça me disait pas plus que ça. Je me rappelle, mon père, je vois très très bien la scène qui rentre un jour de tournée. Puis voilà, on me dira pourquoi, puisqu'il était facteur. Il dit, tiens, il y a des cours d'accordéon qui vont se faire à Saint-Félix. Et j'ai tout de suite dit, j'y vais. Donc, tu préférais l'accordéon que la fanfare ou l'un n'allait pas sans l'autre, je préférais l'accordéon, je pense, voilà. J'ai toujours aimé l'accordéon. Est-ce qu'il l'a amené pour qu'on fasse à la fin? Non. C'est dommage. Une prochaine fois. Bah, pour l'émission de Sandra. Eh ben, d'accord. Hein, ça sera son petit cadeau. D'accord. Alors, donc ça, c'est évidemment ce qui m'a marqué le plus. Et un homme assez antinomique, parce que pour autant, conseiller municipal de Saint-Germain-la-Chambotte pendant 14 années. Pendant 15 ans, oui. 15 ans. De mars. De mandat. Trois. Le troisième, je n'ai pas pu le finir, puisqu'il y a eu la création d'une commune nouvelle. Donc, je travaillais à Albins. J'étais élu à Saint-Germain-la-Chambotte. Donc, ça devenait une même commune. Donc, je ne pouvais plus être élu et fonctionnaire. J'ai dû faire un choix. Et donc, à la date de la création d'Entrelacs, le 1er janvier 2016, j'ai dû démissionner de mes fonctions de conseiller municipal. J'ai été élu à 24 ans en 2001. Voilà, on ne peut pas être fonctionnaire et en même temps élu. Nombre beaucoup d'actions dans le monde associatif. Toujours secrétaire de l'association des anciens combattants, alors que tu es jeune finalement. C'est aussi parce que tu tiens à ce souvenir français, souvenir de ce qu'on a vécu. Oui, j'ai la fibre patriotique, si on peut dire. Et puis, mon papa était membre de l'association des anciens combattants. Et quand le président, mon ami Henri Mathieu, est venu me voir en mairie d'Albins... Des anciens combattants. Des anciens combattants, en 2006 ou 2007, par là, il est venu me dire, écoute, oh, j'ai un souci, j'ai mon secrétaire qui arrête. Voilà, il n'a plus envie de le faire. Je lui ai dit, écoute, Henri, en mémoire de mon père, et puis je m'engage. Voilà, donc je suis le secrétaire de cette association depuis 2007-2008, par là. Voilà. Donc ton papa doit être fier de te voir... vivre, et t'es vraiment, si tu veux, devais t'écouter le matin quand tu fais tes paroles, quelles qu'elles soient, parce que ça c'est important, est-ce que tu te sens en adéquation, est-ce que ce qui sort de ta bouche? Ah bah oui. Voilà, c'est important ça. C'est important d'avoir le sens médiateur, politique, mais il faut aussi être en adéquation avec ce que l'on est. T'arrives à dire aux gens ce que t'as envie de leur dire? Ah bah après il faut savoir leur dire. Avec politique. Voilà. Comme moi. Avec diplomatie. Voilà. Et surtout ne jamais se croire plus fort que vous. Ah ben non. Jamais. D'accord. Et veuve d'Entrelacs et la Biolle. Oui, c'est l'association des veuves. Non, c'est l'association des anciens combattants, prisonniers et veuves. C'est la même. Tout à fait, c'est la même association. Voilà, alors, ça aussi, c'est une question. C'est un homme. Je ne sais pas vraiment comment c'est né, si ce n'est des anciennes cousines de ma maman, qui étaient deux dames âgées et qui m'avaient offert... J'étais jeune, un livre sur De Gaulle. Et sur De Gaulle, et j'ai lu, j'ai regardé les photos, et c'est né un petit peu une passion pour l'homme. Je me dis gaulliste, mais plus gaullien que gaulliste. C'est vraiment la pensée gaullienne, plus que l'action politique elle-même. Voilà, et donc j'adore être à Colombey, j'adore être à la Fondation Charles de Gaulle, j'adore, voilà. Sachant qu'il a fait tout ce qui touche au général. Oui, puisqu'il a fait pour la France tant. Bien sûr. Pendant les actes de la guerre, les périodes guerrières, même si certains le critiquent sur certaines choses. Bien sûr. Et ce qu'il a fait de la France ensuite. Tout à fait. Et qu'il est parti lorsque le référendum n'a pas été à son avantage. Et il a vu dès le 18 juin 1940 que c'était une guerre mondiale et qu'il fallait que la France se présente à la table des vainqueurs. Alors elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but, mon seul but. 5 ans avant, il avait déjà tout compris. Oui, c'est vrai. Et puis fondateur aussi de la volonté de l'Europe aussi. Hein, bien sûr. Pour qu'il n'y ait plus de guerre. Tout à fait, oui. Donc, et j'aime la philosophie de cet homme, la façon de vivre, tout ça. Bah, il nous en faudrait peut-être un, là, en ce moment. Bien sûr. Et parfois, quand j'ai des choix à faire, je me demande même qu'aurait fait le général là. Voilà. C'est bien. Ça m'arrive.
C'est bien, bravo Jean-Pierre, cela t'honore. Alors, tu as quand même une belle présence universitaire et diplômée. Bac littéraire, bizarrement. Au lycée bizarrement. Non, pourquoi pas. Au lycée Marlioz, doc de droit, licence de droit, maîtrise de droit, tout ça à l'Université de Savoie. Oui. DEA d'histoire droit voilà, de l'homme. Donc il faut savoir qu'en droit, il y a le droit public, il y a le droit privé, il y a l'histoire du droit. Et moi, donc, j'étais passionné de l'histoire. Droit public. Alors, déjà de public avec le droit constitutionnel, major de promo à la faculté de droit de Chambéry en Constit. Voilà. Et puis, mais bon, j'aimais aussi l'histoire. Donc, j'ai cumulé les deux en allant l'histoire du droit avec le doyen Canirec, qui nous a quittés depuis, qui a été aussi un de mes grands maîtres à penser, le doyen Gérard Canirec, qui était un des plus grands pontes français en histoire du droit. À Chambéry, puis à Grenoble. Donc, je suis allé en troisième cycle à Grenoble et j'ai commencé une thèse avec lui. Ta thèse en histoire de droit que tu as terminée? Non. Ah. Non, c'était une thèse d'archives, elle est toujours en cours, sur le règlement amiable des litiges familiaux en Savoie propre d'une annexion à l'autre. C'est-à-dire entre 1792 et 1860, donc c'était toute l'époque du droit français, du droit napoléonien, du droit sarde ensuite, et donc les litiges familiaux, il y en avait beaucoup, beaucoup. Donc j'ai commencé ma thèse d'archives, mais je ne l'ai pas finie parce qu'au bout d'un mois, il fallait quand même manger à la fin du mois. Je ne pouvais plus être pion, j'étais pion. Oui, j'ai vu, on va en parler, ça m'a un peu surpris, enfin, sans plus, mais être pion, les enfants sont difficiles ou durs parfois. À cette époque-là, il n'était pas. C'est vrai. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'étais pion au Collège Marlioz. Au Collège Marlioz à Aix-les-Bains, des merveilleuses années. C'est vrai. Des superbes années. J'y rêve encore. Surveillant d'externat, au lycée Vauvray d'abord à Seynod. Tout à fait, à Vauvray. Homme. Et là, restaurant La Chambotte. Et c'est là que j'ai compris ton lien aussi avec M. Lansard. Oui, tout à fait. Hein, où un soir, je me suis retrouvé à boire un whisky pour aller chercher, un peu grâce à toi, la signature de la Reine Victoria. La Reine Victoria. Mais en fait, La Chambotte, alors je suis né là-haut, ma famille est de là-haut, La Chambotte, c'est... Qui est toujours d'ailleurs, puisqu'on s'est croisé l'autre jour, tu rentrais chez toi. Tout à fait, je suis toujours là-haut, je ne la quitterai jamais. Quand j'étais en fac de droit à Grenoble, une prof voulait que je fasse l'ENA. Et j'ai dit oui, mais l'ENA pour être préfet. Elle me dit oui, il me dit je vous vois bien préfet, je vois bien même diplomate et tout. J'ai dit oui, mais il va falloir que je quitte la Chambotte. Elle m'a dit bah oui, après vous êtes. J'ai dit bah non. Voilà. Donc. Ouais, tu voulais rester chez toi. Oui, je suis chez moi. Auprès de tes parents ou c'était plus le territoire? Alors, c'était auprès de mes parents, mais c'était surtout le territoire, ma Chambotte, tout à fait. Quand je la quitte pendant 3-4 jours, elle me manque. Bon, voilà, donc tu as travaillé. Au restaurant de La Chambotte, qui s'appelait comment? La Chambotte. Oui, c'est ça. À Saint-Germain, 98, 99, 2000, où tu étais serveur. 2002. Tu faisais tout? Non, j'étais en cuisine. Ah oui. J'étais en cuisine. Les préparations, les entrées, les courses et tout. Voilà, c'était, ouais, c'est chouette, ça. C'était une autre époque. Et puis surtout, ça apprend la vie. Hein. Et puis, alors, encadrement d'études dirigées niveau 6e et 5e. Alors, ça, c'était toujours au Collège Marlioz aussi, ça. On faisait, donc il y avait des heures d'études dirigées, c'est-à-dire les enfants, c'était comme l'étude, mais c'était vraiment pour qu'ils fassent leurs devoirs. Donc et puis nous les pions, on était là pour les aider un peu, quoi. Donc, oui, voilà. c'est pas un Zweidreich, c'était au contraire leur donner envie. Non, tout à fait. Donc et puis surveillant d'externat au Collège Marlioz pendant quand même 5-6 ans. Oui, ouais, tout à fait. Bon souvenir, parce que on passe du droit, de la musique, et en fait quelque chose de très populaire qu'est d'être surveillant. Oui, mais ça permettait de payer ses études à cette époque-là. Non, mais c'est très bien. À plein temps, c'était 28 heures par semaine. Les mi-temps, c'était 14 heures. Moi, j'étais à plein temps, donc on arrivait, on faisait une demi-journée, on allait en fac. T'arrivais à être étudiant tout le temps. Bien sûr. Et à 28 heures, c'est pas tant. Non, mais bien sûr que non. Et c'était super. Vraiment, j'ai aimé mon travail de pion. Voilà, c'était le travail de pion. J'ai eu des bons exemples devant moi. Voilà. Et à côté, en même temps, ta thèse en histoire de droit que tu continuais. Mmh, tout à fait, j'allais aux archives. Et puis, en même temps, je donnais aussi des cours à la faculté de droit de Grenoble. Ah oui. J'étais chargé déjà de TD à la faculté de droit de Grenoble. T'aurais pu être prof?
Alors, j'aurais pu être prof, il fallait que je termine ma thèse, il fallait que je devienne maître de conférence et que je soutienne ma thèse pour être docteur en histoire du droit. Ah oui, mais là, tu aurais été prof à un autre niveau. Ah ben, j'étais prof en fac, ouais, tout à fait, prof en université. Et agrégé, comme on dit, non. Tout à fait. Ah non. C'est au-dessus. J'aurais été maître de conférence si j'avais la thèse, et après, il aurait fallu que je passe l'agrégation pour être professeur agrégé des universités. Voilà. Donc, bien l'agrégation au bout. Tout à fait. Mais finalement, te voilà entre 2002 et il n'y a pas très longtemps, avant Radio Grand Lac, agent administratif à la mairie d'Albin. Je rentre à la mairie d'Albin le 1er juillet 2002, puisque je ne pouvais plus être pion à partir du 30 juin 2002. Donc, question d'âge ? Question de temps. Il fallait 6 ans, le pionica, à cette époque-là, c'était 7 ans. 7 ans, 7 ans, et au bout de 7 ans, on ne pouvait plus être surveillant. Donc voilà, puis en plus, j'avais ma thèse qui allait encore demander 4-5 ans, donc j'ai dû faire un choix, voilà. Et il faut faire des choix dans la vie, le pire de ne pas en faire, et voilà, donc à la mairie d'Albins avec un homme politique qui forcément t'a donné une formation phénoménale dans le sens citoyen et politique du terme, la côtoyer le peuple, dans son bon sens. Être sur le terrain et je répète, être au service des autres. Voilà, et ça, on sent que ça t'anime, et je revois un peu de Claude Giroux quand je te vois. Sans compter ses heures. Voilà, moi, si une association avait besoin un samedi après-midi et tout, j'étais là. Moi, il me disait, tu sais, je travaille mon cabinet, puisqu'il avait son métier bien à côté, entre 5h et 9h, et après, c'est tout pour la mairie. Tout à fait, voilà. 5h et 9h du matin, précise. Et quand il partait 2 jours en vacances, il me disait, je vais travailler, mais dans une autre région. Tout à fait. Voilà, ça fait plaisir. C'est un peu pareil. Hein. Oui, ouais. Ça fait un peu plaisir de parler de Claude également, que je salue. Et puis, directeur d'antenne à partir du 1er avril 2021. Comment c'est arrivé quand même de te retrouver ici? Sandra t'a appelé? Il y a eu quoi? Peut-être qu'il y a des choses à ne pas dire, mais il n'y a rien de caché. Si on dit tout, on en a pour une heure. C'est très simple, c'est qu'en 2019, je reçois un message au mois de mars le matin, j'étais encore en mairie, et je reçois un message sur Messenger d'une certaine Sandra Beau, que je connaissais un petit peu de nom, voilà, mais on ne s'était jamais parlé. Et là, figure-toi, Jérôme, qu'elle me demande si je connais quelqu'un pour présenter une émission d'accordéon. C'est vrai. Et moi, donc, j'avais déjà ça en tête. Tu voulais faire l'émission du dimanche déjà. Ah, et moi, non, voilà. J'avais en tête, je disais, tiens, Radio Grand Lac, on commence à en entendre parler un petit peu, il faudra presque que je propose, si ça les intéresse, une mission d'accordéon. Mais oui. Mais pas plus que ça. Et là, donc, elle me demande, et je réponds tout de suite, message, oui, moi. Et on se voit le soir. Donc, j'ai commencé le 7 avril 2019, en tant que bénévole ici. Donc, voilà. Alors, animateur. Ce que j'ai su après, c'est qu'elle est quand même un petit peu maligne. C'est une dame, j'allais dire. Tout à fait. Parce qu'en fait, au lieu de me demander si je voulais présenter cette émission, elle m'a demandé fort intelligemment si je connaissais quelqu'un pour le faire. Donc, j'ai tout de suite dit oui. Et en fait, c'était moi qu'elle voulait. Mais moi, au début, tu sais, on est beaucoup plus bête qu'elle que les femmes. Donc, moi je n'avais pas compris. Je me suis même dit, elle aurait quand même pu me demander à moi directement de faire, voilà. Donc, du coup, venu. Je suis venu et j'ai commencé cette émission d'accordéon. L'accordéon, c'est ma passion, le 7 avril 2019, sans connaître vraiment le succès qu'elle allait avoir, puisque tous les dimanches, on écoutait à travers la France. Ah, ça, c'est sûr, on envoie l'étranger et tout. Les messages, puis par Internet, ça permet d'être... Et puis ensuite, sans rentrer dans les détails, mais en 2020, il y a eu un changement de vie pour moi. Donc, il a fallu que je change de vie, voilà. Et c'est Sandra, pareil, qui me propose un coup, qui me dit, je viens d'avoir la fréquence définitive, puisqu'elle a fait un boulot remarquable, elle se battait depuis 6 ans pour avoir cette fréquence saisonnière. Mes cheveux blancs, le soleil à l'horizon, comme mot d'une chanson, que c'est beau la vie, un oiseau qui fait la roue, sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau, c'est beau.